Il n'y a vraiment décidément plus de cap. Et puis entendre dire encore par Emmanuel Macron un discours que l'on a entendu au lendemain des Gilets jaunes, que l'on a entendu au lendemain de la crise Covid, que l'on a entendu au lendemain de son élection à la présidence de la République en 2022, aujourd'hui, ce n'est plus possible d'entendre cela et donc de forcément se dire qu'il va y avoir de nouveau un cap, un changement de méthode et que l'on va pouvoir continuer sur ce chemin-là. Effectivement, on peut être particulièrement inquiet par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et puis quand on voit aussi, on va moins avoir recours au Parlement, moins avoir de textes législatifs, on aura plus recours aux décrets, oui. Ou alors on va avoir des textes qui vont être saucissonnés dans le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mépris du Parlement qui est de nouveau affiché par le président de la République? Eh bien, je suis désolée, je pense que c'est particulièrement grave pour notre démocratie. François Patria, on risque de dévitaliser le Parlement, on ne va plus pouvoir réformer, faire passer des projets de loi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu que notre pays, tout le monde le dit, le Conseil constitutionnel le dit, le Conseil d'État le dit, on légifère trop. Et on légifère trop avec des lois trop lourdes et trop longues qui sont trop bavardes. Si aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent changer la vie concrète des Français, qu'on puisse le faire par décret, ça n'outrage pas par ailleurs les droits du Parlement. Ce que les Français attendent, c'est des mesures qui sont... Mais qui va faire le Parlement pendant ce temps-là? Leur problème, attendez, mais je le parlais là pour voter les lois, vous savez, je suis parlementaire depuis longtemps, je défends ça. Mais s'il y a des mesures concrètes, mais des mesures concrètes concernant tout, l'environnement, les choses, la vie des Français, on peut le faire par décret, mais pourquoi pas le faire alors que en même temps, aujourd'hui, on annonce des lois qui n'ont d'effet bénéfique pour les Français que 2 ans ou 3 ans après? Moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est une solution de sagesse, voilà. Une solution de sagesse gouvernée par décret, Mélanie Vogel. Moi, je crois, je vais vous dire une chose. Je pense qu'en juin 2022, il y a eu à un moment donné les conditions réunies pour que peut-être de l'intérieur, la Ve République puisse évoluer, puisque les Françaises et les Français ont donné au pays une assemblée qui permettait, au fond, ce que permet un régime parlementaire avec l'élection proportionnelle. La réponse qui a été celle du président de la République à ce moment-là, il avait 3 choix au fond. Il avait essayé de construire des majorités, des coalitions stables. Bon, ça n'a pas été fait. Il y avait... Parce qu'ils n'ont pas voulu. D'accord, ça n'a pas été fait. Oui. Il y avait la majorité texte par texte. Moi, je suis à l'aise avec... On a l'impression qu'on reste sur cette logique, d'ailleurs. Moi, je suis à l'aise avec ce genre de logique. Vous savez, je viens du Parlement européen, c'est comme ça que ça marche au niveau européen. Je n'ai pas de problème avec la logique. Mais en fait, la majorité texte par texte, ça veut dire que quand sur un texte, on n'a pas la majorité, ben, on arrête. On ne le fait pas passer en force par le 49-3. C'est ça que ça veut dire. Et la troisième option qui était, écoutez, en fait, on va faire comme si on avait quand même la majorité. On est tout seul. On n'a pas de majorité parlementaire. Et puis, dès qu'on n'est pas d'accord avec nous, on utilise tout ce qu'on peut, même si tout le pays est à feu et à sang pour passer contre. Et donc, moi, je crois qu'on est arrivé, et en plus là maintenant, qu'on est arrivé à ce niveau de tension sociale inégalé, on nous dit, eh ben, en fait, donc, on est minoritaire dans le pays, dans le Parlement, et donc on va se mettre à gouverner par décret, parce qu'en fait, c'est la seule manière de gouverner. Je pense que Emmanuel Macron a fini d'enterrer la Ve République et que maintenant, le chemin de sortie de crise réelle pour sortir de la crise sociale et politique et pour que ce ne soit pas l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en 2027, c'est de changer de constitution. Changer de constitution, ça c'est votre proposition, oui, une 6e République. Il faut trouver une sortie par le haut à cette crise, Patrick Canard. Je voudrais aussi votre réaction quand même sur le fait de gouverner par décret. Le moyen et long terme, nous verrons bien, mais aujourd'hui, à court terme, le roi est nu. Emmanuel Macron est nu. Politiquement. Il n'a pas de majorité dans le pays, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il repose sur des majorités ponctuelles ici ou là, il détricote le travail parlementaire, on a évoqué la loi immigration, mais ce sont des semaines, des mois de travaux qui passent à la trappe. Enfin, je veux dire, c'est un manque de respect incroyable en disant tout à l'heure, je vais saucissonner le texte, ça passera par voie réglementaire en partie, par voie parlementaire de l'autre, mais ce président de la République n'a plus de cap. Il travaille au doigt mouillé. Je suis vraiment très inquiet sur la gouvernance du pays. Et quand on dit, mais je vais passer par la voie réglementaire, donc en doublant le Parlement, mais finalement, c'est sa philosophie. Le problème d'Emmanuel Macron aussi, qu'il n'a jamais été élu local, il n'a jamais été élu parlementaire. Donc il ne sait pas comment fonctionne la démocratie dans notre pays. Il a été élu 2 fois, brillamment, dans notre pays. Oui, mais bien sûr. D'accord, merci. Mais bien sûr, je suis totalement d'accord. Essayez de faire élire M. Faure. Et on voit le résultat. Mon cher collègue Patria, et on voit le résultat. C'est quoi les réponses politiques de M. Macron pour renforcer la démocratie? Le grand débat, ça donnait quoi le grand débat? Vous le savez, moi je ne sais pas. Les conventions citoyennes, on les réunit et on ne les respecte pas. Le Conseil national de la refondation, une plaisanterie. Donc ce président de la République, aujourd'hui commence un mandat dans les pires
conditions. Et donc, voilà, je reviens à la proposition. Il faut soumettre au peuple la nouvelle possibilité qui doit appartenir au peuple de gouverner ce pays. Voilà.